les fondamentaux de la pratique et le gestion de risque. Voilà. Moi, je me suis présenté. La qualité comme vous, mais j'ai pratiqué, j'ai accompagné des entreprises, j'ai certifié des entreprises. La formation professionnelle, elle se veut pratique et pas des théories. Donc, il faut que la personne qui donne la formation ait pratiqué la chose. Donc, on a pratiqué, j'ai été responsable qualité, j'ai accompagné aussi. Voilà. Donc, je suis consultant pour plusieurs organismes. Je suis enseignant. C'est moi qui donne le cours de qualité à l'IFAS. Les ingénieurs. C'est moi qui donne le cours de qualité au camp PC. Et dans d'autres organismes. Il y en a beaucoup. Voilà, pour les citer que c'est là. Donc on se retrouve ici à Global Numérique. Je suis ici depuis 2021. Et au moins. Je ne sais plus si c'est 8 promotions que j'ai pu former. Mais il y en a beaucoup. Donc, on va rester ensemble pour ce module-là. Et donc, qui peut me faire un bref résumé de ce que nous avons vu le samedi passé? Et c'est que lui était là, elle était là. Donc, rafraîchissez-nous la mémoire et l'histoire. Oui. Bon, c'est tout d'abord, avant de commencer, nous avons déjà vu sur la qualité, nous avons vu les objectifs qui étaient vraiment primordiaux pour nous. Et après cela, nous avons vu les notions de la qualité, les différents pères de la qualité, et nous avons défini ce que c'est la qualité. Oui. Vous êtes en train de tricher. Non. Il y a plusieurs aspects concernant la qualité. Moi, ce que j'ai compris est que la qualité était au cœur de toutes les entreprises. Elle était au centre. On a dit que la qualité était au centre de tous les entreprises. Bonjour. Est-ce qu'on a dit que la qualité était au centre de toutes les entreprises? On a bavardé beaucoup, hein? Donc, faites-moi, rassurez-moi que vous avez compris le coup, que je n'ai pas bavardé pour rien. On a dit que selon Crosby, la qualité n'est que ce conformité à l'évolution. Pas rien là-bas. PDCA. On a dit quoi sur le PDCA? PDCA veut dire P, penser et planifier. Il n'y a pas pensé dedans. C'est planifier. Planifier, voilà. Et puis le C, aider, démarrer. Réaliser. Et réaliser. C'est pas démarrer. C'est en anglais, c'est pas en français. Donc quand tu mets D, tu dis démarrer. D, c'est faire, c'est en anglais. Do. C'est faire, réaliser. Et le C. Contrôler et vérifier. C'est check.
agir, acte. Voilà. Hein? Le diagramme. Le diagramme de Chikawa. Ok, merci. On a montré la qualité de risque, la notion de risque. On a vu les différents de la qualité. Le fondateur, Edouard Denis, plusieurs acteurs aussi de la qualité. Différentes définitions. On a vu aussi la roue de Denis. Et puis les 14 principes selon Denis. On a vu ça encore. On a vu aussi Joseph Durand. On a vu aussi le diagramme de Chikawa. Aussi, on a défini qu'est-ce que la qualité selon on a vu aussi qu'est-ce que la qualité totale. Donc la qualité c'est quoi? Là ça va. La qualité, vous voyez c'est ça. Oui, elle n'a pas encore parlé. Nous on a dit la qualité c'était une aptitude, une notion de caractère. Caractéristique. Intrinsèque. Ça veut dire quoi? Il y a des nouvelles personnes, il faut qu'ils comprennent. Oh, c'est pour des qualités en fait. Donc, qualité là, quand on est sur qualité là, la qualité même, c'est la définition de la qualité, ça il doit retenir. Donc, terre à terre, ça veut dire quoi? Parce qu'ils sont trois, ils nous regardent. Sinon, c'est bon, hein, la définition. Mais est-ce qu'eux peuvent comprendre? Oui? Oui. L'idée est dedans, mais comment? Sinon, c'est satisfaire les besoins et les attentes du client, c'est ça. Sinon, c'est bon. Mais à travers les produits et les services qu'on lui offre. Donc, ce sont ces produits et ces services qui doivent avoir un ensemble de caractéristiques intrinsèques. Ça veut dire que leur constitution, ça veut dire que leur manière d'être. Ça doit prendre en compte les besoins et les attentes des clients. Donc, on satisfait le client à travers les produits et les services qu'on lui offre qui doivent respecter un certain nombre de critères. C'est bon? Donc, les nouveaux vont se présenter par nous, on ne les connaît pas. On va se présenter. On va commencer par la dame. Chef d'entreprise. Ah, mais c'est intéressant. Votre entreprise fait quoi? BTP. Là, pourquoi vous avez décidé de faire qualité? Oui, mais il y a beaucoup de formations. Il y a eu quand même une peur, ouais, sans formation. Il y a économie, il y a santé, il y a tant, tant, tant. Mais pourquoi tu veux faire qualité? Ah. Oui, mais tu pourrais faire gestion de projet. Pourquoi tu as changé de qualité? Donc tu veux comprendre mieux sur la santé, la sécurité, sur le site. C'est BTP. Mais il y a produit dedans. Ah, d'accord. Donc, santé, c'est plutôt au travail. Mais il y a d'autres éléments sur le chantier qui sont plus importants. Ah oui.
c'est plus important que les produits même, le ciment. Sinon, le ciment, effectivement, c'est déjà bon. Mais quand un brick quitte là-bas pour taper tête de rien, ça, c'est encore plus dangereux. Quand il meuble là, n'est pas bien fait, puis ça s'écroule sur les gens là-bas. Donc, effectivement, c'est déjà bon. En tout cas, félicitations. C'est bon? Ok. Et l'entreprise est où? Ah, d'accord. Ok, je vais te dire. Bon, lui... Voilà, mais tiens, c'est les gombos. Je ne pouvais pas être là. Aujourd'hui, même, j'ai forcé pour être là. D'accord. Il faut forcer, sinon le coût est très important. Et si tu ne suis pas, il y a des chefs d'entreprise qui aujourd'hui là, sont en prison. Moi, je connais une dame, elle a fait une meuble à Yamoussoukro, puis ça a tué des gens là-bas. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a quelques années, elle a voulu fuir, l'ont attrapé. Ouais. Tu es au courant de ça, hein? D'accord. Donc, il n'y a pas. Oui? Ah, je suis pipeline. Ah, ok. Enchanté. Ok, donc vous, en tant qu'assistant qualité, vous avez fait une formation initiale en qualité. C'est où ça? Tu as bien Raoul. Mais pourquoi vous voulez faire cette histoire encore? Mais tu as un master en qualité. Non, mais franchement, c'est toi pour tuer, c'est un peu complément à son jeu à pratique. Bon, là-bas, c'est théorie où il avait fait. Plus théorique. Ah, là, c'est pas bon. Il va à son école, mais il faut qu'il fasse la pratique. C'est un peu du soir, donc déjà, le temps, on passe le temps. Ah, tu as fait ça au bout du soir, quoi. D'accord. Ok. Et vous? T'es pris pour Francis. Ok. À Orange. Ah, d'accord. Ok. Mais pourquoi tu veux faire qualité? C'est pas sécurité entreprise. Ah, le volet HSE quoi. Ok. Tout va ensemble. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, c'est ce qu'ils vous ont dit. On a joué rapidement. Le cours est en deux parties. Donc, quand je fais le cours, il y a des choses que vous devez retenir, objectif. À la fin, il faut que chacun puisse retenir ça. Voilà. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut retenir l'essentiel. Quand tu vas sortir du cours, là, qu'est-ce que tu retiens? Connaître la notion de qualité et de risque. Quand on dit qualité, c'est quoi? Le risque, c'est quoi? Ça, c'est important. Comprendre l'histoire et l'évolution de la qualité, connaître les éléments indispensables au fonctionnement d'un système de management de la qualité. Et puis, savoir analyser et gérer les risques. Comme elle est ici, chantier BTP. Comment on peut analyser les risques? Comment on peut faire l'analyse des risques? C'est bon? Voilà. Comment est-ce qu'on peut faire l'analyse des risques? Et puis, gérer les risques. Ça, c'est très important pour elle. C'est important pour lui. Lui aussi, c'est important parce qu'il y a des risques beaucoup sur les chantiers. Voilà. Donc, il faudrait qu'au sortir de ce cours-là, on ait quelque chose de pratique, palpable, quelque chose que vous pouvez faire. Voilà. C'est ça qui est important pour moi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va finir le cours, madame peut être capable de pouvoir identifier tous les risques qui sont sur son chantier et puis pouvoir les classifier. Lui-là est le plus important que celui-là. Et puis, quelles sont les dispositions que je prends pour faire face au... Une fois qu'elle a déjà ça, c'est déjà bon.
Maintenant, la première partie, qui est les fondamentaux, ça te permet de comprendre la qualité. C'est beaucoup de théorie, mais ça te permet de comprendre la qualité. Voilà, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va partir, hein? On va démarrer. C'est bon? Donc, on a vu les pères de la qualité. On a vu tous les vieux pères de la qualité. Mais celui-là, retenez bien ce nom. Il s'appelle Deming. C'est un nom qui est très important dans le domaine de la qualité. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait dans le domaine de la qualité, qui a laissé son nom. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la roue de Deming, dont elle a parlé, PDCA, c'est lui-là qui a créé ça. Hein? Voilà. Donc, c'est un nom que vous devez retenir. Edouard Deming. Voilà. Donc, lui, il avait donné un certain nombre de principes pour la qualité. Après, il y a eu d'autres pères dont on a parlé. En tout cas, chacun a donné sa définition de la qualité. Voilà un autre, ça c'est un japonais. Voilà, il a créé un diagramme qu'on appelle le diagramme d'Ishikawa. Voilà. Donc, le diagramme de cause à effet d'Ishikawa. Donc, il n'y a pas de lieu sur le coup. Ce n'est pas ma faute, hein, si vous n'étiez pas là. Mais comme je veux encourager la dame qui est sur le chantier là, je vais juste revenir un peu dessus pour qu'elle comprenne. Où sont les marqueurs là-haut? Les marqueurs. Enlevez les ici, ça c'est un bonus. Hein. On a déjà fait un bonus. Voilà, diagramme de cause à effet. Madame est en train de construire son immeuble. Et puis, je touche du bois. Hein. C'est pas que c'est la réalité. Et ce n'est même pas dans votre. Voilà. Donc, construit le meuble. Et puis, voilà, c'est pas vous, hein, c'est quelqu'un comme ça, quelqu'un de BTP. Et puis, l'immeuble s'effondre. Donc, l'immeuble va s'effondrer. Donc, on est ici, les effets. L'immeuble s'effondre. Quand c'est dans les pays développés, on va chercher les causes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début? C'est bon, madame? Ici, les effets, on constate que l'immeuble là, qui est en construction, il s'est effondré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va voir un certain nombre d'éléments, la matière, le matériel, le métaux, le milieu, main d'œuvre. On appelle ça le 5M. Donc, ici, si on prend les méthodes, est-ce que ce n'est pas les méthodes qui sont utilisées par l'ingénieur PTP ou le technicien? Est-ce qu'il a utilisé la bonne méthode pour construire l'immeuble? Donc, si ce n'est pas la bonne méthode, ça peut agir à la fin. Le milieu,
dans lequel l'immeuble a été construit, est-ce qu'il y a eu un topographe qui est venu voir pour voir si vraiment le sol était bien, tout ça là? Est-ce que l'environnement dans lequel l'immeuble était n'a pas agi et de sorte que l'immeuble puisse s'effondrer? On va chercher à comprendre. La main d'œuvre, ceux qui étaient en train de faire le travail, est-ce qu'il avait la qualification requise? Est-ce que c'est un vrai ingénieur BDP? Ou est-ce un technicien? Est-ce que vraiment il a eu le diplôme? Bon, donc on va commencer à chercher. Est-ce que vraiment il a eu le diplôme pour pouvoir faire le deux? Parce que c'est quelqu'un qui va venir parler de dire, oh, moi je connais le travail tout à l'heure. Il donne un prix comme vous aussi, vous êtes pressé, vous voulez quelqu'un qui est moins cher. Vous n'avez pas eu le temps de vérifier ses diplômes, vérifier tout ça là. Peut-être il a pris le diplôme de quelqu'un, il a pris. C'est un faux diplôme, il a pris. Vous n'avez aucun antécédent pour voir s'il avait fait déjà d'autres travaux, tout ça. Vous l'avez pris pour faire votre travail. Est-ce qu'il a la qualification de prix? Donc s'il n'a pas la qualification, vous voyez, ça va agir là-bas. Mais il va rester quoi? Matière. Donc ici, la matière principale, c'est quoi? C'est le ciment. Donc, le ciment, est-ce que c'est un bon ciment? Est-ce que c'est du bon fer? C'est ça. Et le matériel? Ici, le matériel, la matière, ça c'est pratiquement les mêmes choses. C'est de bonnes choses, c'est du vrai fait, tout ça là, qu'il a pu faire. Donc vous voyez que tous ces différents éléments-là peuvent agir sur la qualité de l'ouvrage final. C'est bon? Donc ça, c'est ce que Ishikawa a fait. Donc diagramme de cause à effet. Donc ce que vous mettez en exergue, ça peut avoir un effet. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc tout peut s'expliquer. Voilà. On a constaté encore une fois qu'il y a beaucoup d'immeubles qui s'effondrent. Mais ce n'est pas pareil, il y a des sorciers. Hein. Nous l'en aiment tellement facilement. Comme eux-mêmes, ils ont déjà gâté leur nom. Mais c'est pas son oncle là. Depuis, son oncle le suit. Je savais que ça allait arriver. Pareil, depuis là, son oncle le suit. Il veut lui créer des problèmes. Ah. Il a gâté son affaire. Voilà, il a dit ceci, là, il a soufflé sur l'immeuble et puis il me l'a. Alors que il y a un véritable problème. Vous comprenez? Et donc les gens veulent. Moi-même, il y a des immeubles, tu vois, maintenant, ils disaient, il y a un immeuble qui s'est écoulé ici, comme on dit. Mais quand nous, on voit même, on sait que. Il y a pillé les petits bois. Il n'a pas besoin de faire ingénierie du bâtiment. Mais quand toi-même tu l'as, tu sais que ça va pas faire. Voilà. Donc le juge, ça s'est écoulé. Moi, personnellement, ça ne m'a pas étonné. Donc voilà. Mais toi-même, là, qui donne ton âme pour faire ça, quand le gars même ne dit pas la haine du théâtre, tu n'es pas là. Donc c'est ça. Le gars veut gagner, on lui donne l'argent, il dit bon, avec 10 tonnes de ciment, on peut faire ce travail. Toi, tu comptes l'argent des 10 tonnes là, bon, tu lui donnes. Qu'est-ce qu'il prouve qu'il a vraiment payé 10 tonnes? Qui vérifie? Il peut aller payer 6 tonnes et puis il prend l'argent des 4 tonnes. Et puis on ne dose pas bien le ciment. Voilà le résultat. Donc ça, c'est la qualité. C'est bon, hein? D'accord. Voilà. Donc, il y a un autre qui s'appelait Phyllis Crosby. Voilà. Armand Feigenbaum, Joseph Kelada, et on est revenu sur la définition de la qualité. Et voilà la qualité, la définition que vous devez retenir. Parce qu'elle vient de l'ISO 9000. Dans la série des normes 9000, il y en a trois.
Voilà. 9000, c'est le vocabulaire. Voilà. Terme et définition. Il y a le 9001 qui parle des exigences. Ça veut dire que c'est avec ça qu'on peut certifier une entreprise. Parce que c'est là où il y a exigence qu'on peut prendre pour certifier une entreprise. La norme dit, si tu respectes tant, voilà, tu vas avoir le résultat de ce qu'on peut gagner avec moi. Donc ça, c'est la 9001. Maintenant, il y a la 9004 qui est un peu amélioration des performances. Donc, ici, là, les définitions sont dans 9000. Donc, 9010, définition que lui donne, ça nous on prend comme définition officielle de la qualité. Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un produit ou service à satisfaire à des exigences. Donc, les exigences, là, il y en a plusieurs types, il y en a trois au moins. Les exigences légales. Qu'est-ce qu'une exigence légale? Hein? Sur les quoi? Donc, exigence légale, ça c'est les exigences qui sont relatives à la loi. C'est bon? Avant de construire un immeuble ou bien avoir une entreprise, il y a des minimums. Il faut avoir un régime de commerce. Il faut payer les impôts. Tout ça, ça relève de la loi. Et quand c'est lié à la loi, si tu ne fais pas rentrer en prison, est-ce que tu as déclaré tes employés à la CNPS? C'est bon? Maintenant, dans le domaine des normes, voilà. Par exemple, il a parlé de code de l'environnement. Il y a, en ce qui concerne les entreprises, il y a la 14001. Ça, c'est une norme ISO pour l'environnement. Mais l'État ne regarde pas 14001. Chaque année, ou bien il y a ce qu'on n'appelle pas forcément chaque année, mais les pays ont ratifié des lois au plan international. Et donc, il dit, bon, on va protéger l'environnement. Donc, on dit, Côte d'Ivoire, le code de l'environnement, ça, c'est tout ce que la Côte d'Ivoire veut en matière d'environnement, que les entreprises respectent. Donc, du moment où c'est l'État qui a promulgué ça, ça devient une loi. Mais la loi sur l'environnement. Donc ça fait partie des exigences légales. Donc vous devez respecter. Donc ça, c'est une exigence légale. Mais là, à côté de ça, il y a les exigences réglementaires. Qu'est-ce que la réglementation dit? Quand vous êtes peut-être dans le domaine du BTP, hein, ou bien dans le domaine des pipelines, il y a une réglementation dans chaque type d'activité. Ici, on est en train de faire formation. Il y a des règles en matière de formation. Donc, tout ça s'arrête dans le domaine de des exigences réglementaires. Même les normes. Les normes rentrent dans le domaine des exigences réglementaires. Et puis, un troisième type d'exigence, ça, c'est les exigences clients. C'est bon? Donc, il y a ce que la loi dit. Il y a ce que la réglementation en termes de BTP, tout ça là, hein, ou bien les normes, ça dit. Maintenant, troisième type d'exigence, les exigences clients. Tu fais un immeuble d'un client, il te dit, bon, on va valider le plan. Donc, je veux tel plan, tu lui proposes, il dit, waouh, c'est ça là, il est. Avec une grosse terrasse comme ça, oui, ça, c'est ça, moi, il veut. Et puis, 5 chambres avec un jardin derrière. Voilà. Et puis, tu mets tuile en haut, couleur jaune, ou bien couleur orange. Voilà. Maintenant, la maison là, il faut qu'on se mette d'accord. Quand est-ce que tu peux finir ma maison? Non. 2 ans. Vous écoutez, madame? 2 ans. Dans 2 ans, non, dans 2 ans, tu rentres ta maison, il n'y a pas de. Donc, vous avez un cahier de charges, et puis chacun signe. Et puis, bon, tu dis, bon, ça va coûter 30 millions. Il dit, ok. Donc, moi, je te donne d'abord 40%. Mais dans les 2 ans, il doit tout payer. Voilà. Ou bien, bon, il est tellement content, il a confiance. Il dit, bon, moi, il paye tout. Voilà, mais dans 2 ans, il doit avoir ma maison. Alors, on est d'accord? La maison, voilà comment elle doit être. Ça, c'est les exigences
du client. Donc, il y a trois grands types d'exigences. Exigence légale, exigence réglementaire, exigence client. C'est bon? Donc, ce sont ces exigences-là que la norme parle ici. Aptitude est l'ensemble des caractéristiques intrinsèques d'un produit ou service à satisfaire les exigences. Donc, on n'a pas dit simplement exigence du client ou bien exigence légale. Voilà. Donc, voilà ce que la norme dit. On a parlé aussi du cycle de la qualité. C'est bon? Le cycle de la qualité. Et le cycle de la qualité est tel que il y a une qualité que le client attend. Maintenant, vous qui êtes l'entreprise qui doit faire les produits et les services, vous avez une certaine qualité que vous voyez. Et vous avez voulu que cette qualité-là, ça soit ce que le client veut, c'est ça qui est bon pour lui. Mais le client, on dit le roi, ça, il y a ce que lui veut, c'est pour lui là. Ah, la maison là, on va construire. Si tu avais fait une maison de. Comme c'est au village là, et comme c'est en ville, si tu avais fait une maison de 3 chambres, c'est bon. Avec un salon, il dit non, moi je veux une maison de 6 chambres. C'est lui qui décide, c'est lui qui donne son âge. Tu ne peux pas lui imposer. Tu peux lui simplement le conseiller pour dire, ah, si tu avais fait tant. Ou bien si c'est au village, tu peux ne pas faire une meuble. Mais comme on est en ville, là, tu peux faire R+2. Il dit non, lui, il fait village basse, bien grand. C'est son argent. Voilà. Donc, qualité voulue. Lui, il attend une certaine qualité. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réaliser une certaine qualité. Et quand il réalise ta qualité, là, le client perçoit. Mais lui, ce que lui veut, là, il y a une certaine qualité qu'il attend. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas étudier ses besoins et attentes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mener des enquêtes. Est-ce qu'il est satisfait de ce que j'ai fait? Donc, quand tu lui donnes le produit, le service, tu fais des fiches d'enquête, il y a des retours d'informations clients, tout ça là, tu vas étudier. Voilà, tu étudies tout ça là, tu vas mesurer la qualité et jusqu'à ce que tu atteignes la qualité que le client attend. Donc ça, c'est des études, c'est les retours d'informations clients, hein? C'est les enquêtes que tu mènes. Tout ce qu'il dit là, au fur et à mesure, tu vas améliorer le client et puis tu vas arriver à la qualité que lui là, il attend. Donc vous voyez, c'est aussi une science exacte. Donc, les entreprises étudient les besoins et les attentes des clients. Non seulement ils étudient les besoins présents, mais les besoins futurs des clients. Dans tous les domaines, quand vous voyez les voitures, ils disent on veut tel type de voiture, il n'y a pas de problème. Mais pendant qu'on lui donne là, aujourd'hui, les entreprises qui sont dans l'électronique, qui sont dans l'électroménager, qui sont dans la construction des véhicules, tout ça, réfléchissent. Aujourd'hui, on a des voitures. Hein? Des voitures, quand vous voyez Santa Fe, quand vous voyez tout ça, là, c'est des belles voitures. Vous réfléchissez à des bons designs. Mais ils pensent déjà au futur. On cherche maintenant à faire des voitures intelligentes. Donc d'ici 10-15 ans, là, dès que tu arrives comme ça, la voiture même s'ouvre. Si dans 10 ou 15 ans, les BMW, les Mercedes, les Hyundai sortent des voitures, dès que tu t'approches, la voiture est dédiée. Où allons-nous? Est-ce que toi, tu as encore payé une voiture aujourd'hui qui envoie ici de sa partie? Tu as ton argent. Tu payes. Ça, c'est du passé. Voilà. Donc, tu as l'argent. Le client, il a de l'argent. Il y a des clients qui vont chez le constructeur, il peut aller chez Mercedes. Ou bien BMW, il donne son design. Et bien, il dit bon, ça va.
fait une série spéciale pour moi et ma famille. Quand vous voyez, on est illité. Il faut que moi seul dans le pays ou bien dans le monde, je puisse vous donner ça. Si tu fais pour moi seul et ma famille, ça va faire combien? On dit, bon, ça fait 10 milliards de dollars. Et ok, alors. Et c'est moi seul. Je dois avoir cette voiture, même dans ma famille. On est d'accord? Il donne son design que vous ne pouvez plus offrir à votre. C'est quand ils vont rouler, quand ils sont fatigués là. Je vais maintenant donner ça aux autres. Donc il y a des clients, les clients ils ont l'argent. Le client a l'argent. Mais il faut satisfaire son besoin. Présent. Donc ce qu'il a demandé dans le cahier des charges, tu fais ça déjà. Là tu réfléchis, comment demain? Je vais encore faire pour qu'il soit fidèle à moi et qu'on peut aller ailleurs. Tu réfléchis, tu as construit la maison, le gars, il a apprécié. Là, tu penses encore à un autre design qui va encore le captiver la prochaine fois. Donc, c'est ça. Les frigos intelligents, les voitures intelligentes, tout ça, il va commencer. C'est bon? Vous avez compris? Oui? Les deux doivent travailler ensemble. Mais la fidélisation, c'est d'abord la qualité. Parce que le commercial, lui, ne fait que vendre. Le commercial, on a déjà vu ça même dans une partie du cours, mais je ne sais pas. Non, mais ce n'est pas dans ce cours-là. Oui, on a vu ça ici. On a vu ça ici. On a vu les différentes définitions de qualité. Pour un responsable marketing, la qualité, c'est la capacité d'un produit à se vendre. Lui, pour lui, il a 3-4 produits. Comme ça, il y a un qui sort plus. Lui, c'est ça, lui constate. Donc, il dit que c'est ça, lui, c'est ça qui est la qualité. Donc, au marketing, là, c'est ça. Voilà. Il sait que c'est ça là qui sort. Mais pourquoi est-ce que c'est ça qui sort là? Ça, c'est au niveau de la qualité. Vous voyez la différence? C'est bon? Mais au service commercial, au service marketing, eux, ils ont 4 produits, ils proposent aux clients. Ils se rendent compte que c'est celui-là qui sort le plus. Lui, pour lui, c'est le produit de qualité. Il ne réfléchit pas trop. Donc ça sort. Donc pour lui, c'est ça qui est la qualité. Maintenant, c'est au service de qualité, on veut savoir, mais on peut se poser la question. Mais pourquoi c'est ce produit-là qui sort et puis l'autre? Donc ils vont faire des enquêtes pour voir. Et puis voir pourquoi. C'est ce produit-là que le client aime plus que celui-là. Donc, les deux travaillent ensemble. Donc, on a vu l'évolution de la qualité, il y a eu plusieurs étapes. Au début, ce n'était pas une affaire de qualité. La qualité, c'est limité à produire. Parce que l'offre était inférieure à la demande. Dans les années 60, il n'y avait pas assez de voitures. Ce n'est pas n'importe qui voulait une voiture. Il n'y a pas de voiture. On ne gagnait même pas même. Donc, il y avait des riches dans le pays. Ils ont dit que pour toute la Côte d'Ivoire, il y a 10 voitures. Toi, tu vas trier. Vous dites non, je veux une voiture bleue ou bien je veux une voiture blanche. On ne gagne pas. On a vu ça dans les années 2000. Avec les téléphonies. Là. Plus, 25 000. Bani, il est content comme ça. Les gens payent ça à 7, 60 000 ici, 69 000, 100 000. Mais on ne gagne pas. Les gens voient à Télécel, ils voient à Ivoiris. Et on fera comme ça, il y en a même qui sont là depuis 3 heures du matin. Mais il n'y en a pas assez. Mais aujourd'hui, là, donc il y a une période où ce qu'on offrait était inférieur. On ne parle pas de qualité, il faut produire seulement. À un moment, les choses ont commencé à s'équilibrer. Le client commence à devenir roi parce qu'il devient un peu exigeant. Et puis, on est à une ère où il y en a.
parce qu'on est dans un monde globalisé, mondialisé. Si tu ne peux pas trouver en Côte d'Ivoire, si jamais à Paris, ton portable, là, tu peux faire commande. Amazon, Alibaba, tout. Depuis la Chine, ils vont t'envoyer. Tu vois? Et puis, tu veux prendre un produit aujourd'hui, là. Le client est exigeant. Pourquoi? Parce qu'il est avisé. Tu as ton portable. Tu veux une maison. Il y a plusieurs personnes qui proposent des maisons. Et puis, à partir de ton portable, tu peux voir le type de maison que tu veux. C'est pas comme avant, on ne connaissait rien dans cette affaire. Mais le client connaît, tu prends ton portable, tu peux faire tout sur Google, tu fais recherche, si t'entends. Donc, il y a même avant même de te retrouver même devant celui qui doit faire ton travail. Tu as une idée de ce que tu veux. Donc, le client est avisé, il est. Vous comprenez? Donc, il sait ce qu'il veut. Quand il vient te présenter devant lui, même derrière, il y a une idée du prix parce qu'il a demandé deux ou trois personnes. Et puis, il vient te dire. Donc, quand il voit que tu as trouvé, il dit, d'accord, j'ai compris. Il ne va plus t'appeler. Mais quand il voit que ce que tu lui proposes, ce n'est pas trop. Il dit, d'accord, je ne vais pas te dire, d'accord. Donc, le client est devenu de plus en plus exigeant aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises aussi doivent être.